Et honorable, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait le retour Excuse-moi. du dialogue politique en Guinée entre vous, les partis politiques et les nouvelles autorités? Non, vous savez, nous, on a proposé qu'il y ait un dialogue. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, c'est difficile de travailler. Et donc, c'est pourquoi on a proposé que le dialogue soit inséré permanent. Vous savez, le dialogue, ce n'est pas pour dire seulement qu'il y a crise ou il y a transition. Le dialogue devait être continué pour tout le temps, parce que chaque fois, il y a pas là, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Donc, dès qu'il y a un problème, si déjà un cas de dialogue, les membres sont connus, automatiquement, on s'est saisi pour essayer de dialoguer, se trouver, pour qu'on puisse trouver la solution. Vous savez, le problème en Guinée, c'est qu'il n'y a pas crise totale, il n'y a pas crise en fait. Proprement dit, il y a un manque de dialogue. Sinon, à chaque fois qu'on s'assoit, on discute entre nous, toujours on trouve la solution. Mais si on ne se parle pas, moi je pensais que quelque chose, je pense que c'est ça la vérité, c'est ce que je pense. Or que l'autre aussi pense que ce qu'il pense, c'est ça la vérité. Et personne n'a le monopole de la vérité. Donc, mais si on s'assoit ensemble, peut-être moi je vais céder, parce que lui, son argument est plus fort que pour moi, et je vais le suivre, ou bien c'est lui qui va faire aussi me suivre, parce que je trouve que c'est mieux expliqué. Et voilà, c'est comme ça qu'on essaie de trouver la solution. Ok, Monsieur le Président, et quelle solution et que proposez-vous pour qu'il y ait quel programme proposez-vous aux nouvelles autorités pour qu'il y ait une bonne transition réussie et apaisée? Et vous savez que CPP, au niveau du CPP, il y a beaucoup de plateformes qui est sur cette plateforme-là. Et il y a plus de cinquantaine de partis. Donc alors, je crois que nous avons travaillé plusieurs fois et on a même créé des commissions, six commissions. Ces commissions-là ont travaillé. Et on a même validé, n'est-ce pas, toutes ces commissions-là, le travail de ces commissions, parce qu'il y a beaucoup de commissions, il y a commission de constitution, commission de logis, c'est-à-dire organe d'organisation, commission de fichiers, commission de chronogramme, n'est-ce pas, et puis et aussi jusqu'à commission même de réconciliation. Donc tout ça, là, on a travaillé, on a validé ça ensemble. Et c'est voilà, c'est tout ce qui nous reste maintenant pour faire la dernière réunion pour qu'on puisse vraiment. Donc c'est tout ce qui nous reste à faire. De programme, il y a tout. Donc, c'est vrai, c'est une contribution de notre part, CPP. Donc, je crois que d'autres vont faire autant. Et puis, tout ça, la réunion, je crois que ça va servir, et que ça soit CNT qui est mis en place, surtout. Et puis aussi, et ça va servir. Ou même le président de CNRD va s'en saisir, essayer de voir exactement notre contribution qu'on a faite. Il y a le ministère aussi, MATD, qui est notre, si tu veux, le tuteur de parti politique aussi. Et voilà, donc je crois que c'est possible que le copie soit destinataire à ces gens-là.
puis peut-être faire un point de presse après pour essayer de...